Merci, Seigneur. Gloire. C'est bon Dieu qui parle pour nous. Alléluia. Déjà, nous disons bienvenue à chaque monde qui vient pour nous monter l'après-midi. Pour participer avec nous dans le programme ça. Après-midi, il fait 4 heures, il commence à 4 heures, il y a un petit problème technique dans l'appareil. Ça fait que nous ne sommes pas capables de nous couper, là, il va couper et recommencer. Donc, quand on a tout le bagage normal, nous on a avancé à la gloire de Dieu. Ou même qui montent déjà, nous souhaitons bienvenue. Bienvenue avec Familia Kenson Artist après-midi. Dans le programme, ça, c'est un programme si important. Côté que nous allons parler d'un bel sujet, est-ce que nous sommes capables de considérer le fiançage comme fondement, base, pilier, mariage? Là, dit encore. Sans question, est-ce que nous sommes capables de considérer le fiançage comme fondement? Au pilier mariage, journée aujourd'hui, est-ce qu'on est capable de considérer? Ou même qui déjà là, nous sommes bienvenus, fais-nous signe que vous là, fais-nous signe de vie que vous là, à soya. Dans quelques temps, nous allons passer ensemble. Donc on est, c'est un temps qui va perdu. C'est un temps que vous ne pouvez pas regretter. Déjà, nous souhaitons bienvenue, 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 bienvenue. Bienvenue à chacun de vous, bienvenue. Chacun de vous. Gloire. Merci Seigneur. Alléluia. Est-ce que nous sommes capables de considérer le fiançage là comme fondement, pilier? Pilier, fondement, base, mariage. N'allez, n'abtenons. Nous connaissons le bagage, nous avons fait sans la prière, faut nous évoquer nos bons dieux avant. Montez, mes amis, n'abtenons. Faites le signe de vie ou même gap sur nous. Mm-hmm.
fait nous signe de vie ou même qui a suivi nous dans les salles. Qui a suivi nous, fait nous signe de vie. Donc on est en prier avant tout. On va pas prier, mon Dieu. C'est lui-même qui met la vie. Que le Messie a talisman, mon Dieu, nous recevons le nom de Jésus. Que le Messie a talisman, mon Dieu, bénis-nous. Et nous sommes bienvenus avec nous après-midi. Mais un sujet qui est si important, qui est si belle, que nous avons parlé, est-ce qu'il est capable de considérer le fiançage là comme pilier, comme base, fondement, mariage? Après le fiançage là, il m'a parlé de fiançage un peu, mon connaît. Demain, à soir, il a parlé de ça. Après-midi, dans quelques heures, dans quelques minutes, parce qu'il va prendre en pile. Gloire à Dieu. Alléluia. Oui, on a commencé. On a dit bon Dieu merci avant tout. Et nous avons demandé qu'il va guider nous. Dans le moment où on va passer ensemble avec toi, il est capable de guider nous et garder nous. Et il mettait parole dans la bouche nous. Pour nous capables de parler selon volonté. Dieu Tout-Puissant, Papa, nous qui sommes dans le ciel là. Nous te remercions pour grâce. Merci pour l'amour infini. Merci parce qu'encore nous existons. Nous ne pouvons faire rien pour ça, mais son grâce. Son faveur est mérité. Et c'est si nous vivons, c'est grâce à vous. Si nous existons, c'est grâce à vous, Seigneur. Si nous vivons la vie, ça va pour nous aller. Toutes ces grâces, Seigneur Dieu. Dans la minute, ça, nous approchons devant toi. Nous demandons pardon pour péché, nous. Pardon pour l'iniquité, nous. Pardon pour ça nous fait qui mal, Seigneur. Parce que nous péchons contre tout. Nous faisons des bagailles qui sales devant Dieu. Mais, Seigneur, nous croyons, nous sommes sous de pardon. Ou son source de l'amour, Seigneur Dieu. Ou bon pour nous, c'est ça que fait, Seigneur, chaque fois que nous péchons, nous approchons. Nous demandons pardon, Seigneur Dieu, et vous tendez-nous. Et vous pardonnez-nous, Seigneur Dieu. Nous demandons temps pour transformer la vie, nous. Et quel moment nous va passer là, Seigneur Dieu? Il va un moment béni. Il va un moment, Seigneur Dieu, agréable. Un moment, côté que Seigneur, un peu de monde va dire, il était bon pour nous être là. Et ça, nous devons nous partager. Et nous jouons là-dedans. Seigneur, nous demandons tant pour lui. Assistez-nous, guidez-nous, Seigneur Dieu. Nous ne pouvons pas prier parce qu'il nous prie dans le nom de Jésus. À lui-même seul, soit la gloire, la puissance, dans tous les siècles des siècles. Amen. Oui. Est-ce que nous sommes capables de considérer le mariage là comme fondement, pilier, on a dit base mariage. Tout d'abord, dans un monde fondé sous la puissance de l'amour, un monde fondé, dans l'univers créé avec l'amour, cet esprit bon Dieu. Et tant que chrétien, tout ça n'a pas fait, nous supposons faire avec l'amour. Et quelle que soit la décision nous devons prendre dans la vie, nous supposons faire. Avec l'amour, avec sagesse. Parce que la Bible est claire sur ça. La Bible dit dans 1 Corinthiens 16, verset 14, que tout ce que vous faites se fasse avec l'amour. C'est-à-dire tout ça nous pour nous faire, c'est pour nous faire l'amour en première priorité. Ça nous pour nous prendre comme décision. Et tant que chrétien,
chrétien, chrétienne, nous supposons agir avec l'amour. Et le livre Genèse, c'est le livre commencement. Et là, nous voyons le commencement de la création. Et dans le premier verset, il dit Dieu au commencement créa. Il a dit, la Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et dans le septième, il y a sept versets que moi-même, moi avisé, que moi souligné, qui prouvent que l'amour lui existait dès le commencement. Parce que la Bible dit que le bon Dieu commence à créer, parce qu'il était fait comme on était dès le commencement. La terre était informe. C'est ça, la Bible a dit. Informe et vide. Il y avait de ténèbres sur la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu mouvait dessus d'eux. C'est ça, il dit. Et il a commencement, Dieu créa. Et moi, je vais souligner quatre versets qui parlent de que l'amour, dès le commencement, l'amour existait. C'est-à-dire l'amour, il existait dès le commencement de la création. Et la Bible dit dans verset 4 là, qu'on est après bon Dieu, le bon Dieu commence à travailler. C'est-à-dire qu'il commence à travailler à puissance. Dans verset 4 là, la Bible dit qu'on a Dieu vit. Dieu vit que la lumière était bon. L'elfin dit que la lumière soit, que la lumière fit. Dans verset 4, il dit Dieu vit que la lumière bagaille qui prouve que toute bagaille est faite avec l'amour. Dans verset 10, là, il dit qu'on a Dieu appelle le secteur, elle a sa bonne diable créée, oui, et il appelle la masse des eaux mères. Dieu vit que cela était bon. Avec trois versets qui prouvaient que tout bagage ça yo créé avec puissance de l'amour. C'est-à-dire nous pas qu'à faire rien sans l'amour puisque la nature lui-même création il commencé avec l'amour. Le verset 12 là, c'est toujours même bagage là dit Dieu vit que cela était bon. Le verset 12, verset 18. Il dit comme ça. Encore, la partie finale, elle dit Dieu vit que cela était bon. Là, on commence le verset 18. Là, le verset 21, c'est même bagaille. Dieu vit que cela était bon. Le verset 25. Verset 25. Plus Dieu dit faisons, Dieu fit les animaux. Et la terre, selon les espèces, les bénit selon son espèce. Et toutes les reptiles de la terre, selon les espèces. Dieu vit que cela était bon. C'est-à-dire, ça fait plus, ça fait six versets qui prouvaient que l'amour est là, dès le commencement. Le verset 31, ça, c'est le bon Dieu qui fait l'homme même. Il dit, Dieu vit. Tout ce qu'il avait fait, et voici cela était très bon. Dans toute création, Dieu crée animal, il crée terre, il crée bois. À plusieurs fois, Dieu a dit, la Bible a dit, Dieu vit que cela était bon. Mais quant à pour l'homme, Dieu vit. Dieu, dans verset 31, dit, Dieu dit tout ce qu'il avait fait, et Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici c'est cela était très bon. Ainsi, il eut un soir et un matin. Il eut un matin et fit le sixième jour. Le bon Dieu veut sous l'homme. Nous connaissons le bon Dieu. Le fait l'homme dit faisons l'homme à notre image. Il dit Dieu vit que cela était très bon. Très bon. Il va dire Dieu vit que cela était bon. Il dit que cela était très bon. Et nous avons un sujet qui est tellement belle à ce qui dit est-ce qu'on a considéré fiançage là toujours? Est-ce qu'on a considéré fiançage comme fondement, base, pilier, mariage? Et le dictionnaire
Et dans le même livre, c'est là où ouais, l'institution mariage a fait, la Genèse là. Et c'est-à-dire ce livre du commencement, c'est-à-dire du Genèse, c'est le commencement. Et là où définit mariage comme l'ensemble formé par des liens parentés, selon la Bible, comme étant institution plus ancienne formée par Dieu. Et la Bible, définition selon la Bible. Et c'est une doctrine fondée bibliquement par Dieu lui-même. C'est-à-dire, mariage est créé par Dieu lui-même. Parce que si nous lisons Genèse et chapitre 2, verset 18, qui ne m'a pas dit en lit, et si nous lisons verset 24 là, ou lisons Matthieu 19, verset 5, ou lisons Éphésiens 5, verset 31, on va parler de mariage. Tout verset va parler de mariage, c'est-à-dire mariage, bibliquement. Mariage, c'est une institution que bon Dieu lui-même lui fait, lui créé. C'est bon Dieu qui fait lui-même. Et mariage là, li pa lot bagay ke kite papa wak maman ou e atache avèk mari ou bien madame ou. Se sa mariage la e wi. Mariage la pa lot ke kite papa ou ap maman ou e atache avèk madame ou bien mari ou. Se sa mariage la. E li di, yab nap vinyon sel chè. Sa se li menm ki mariage la. Mariage là, c'est union totale sur les plans affectifs et physiques et corporels. L'union de Christ à l'Église. Éphésiens 5, verset 21, 32, sous le livre, ça le dit. Et, on va modèle mariage là, sous le livre, Éphésiens chapitre 5, verset 21, ça fait me parler de mariage avant pour me capable de briver la question, ça qui dit, est-ce qu'on est capable de considérer et fiançailles là comme pilier fondement base et mariage et mariage là li appelé pour durer tant que des mondes qui te unis ça y a vivre c'est ça mariage mariage là li appelé pour durer tant que moi même avoir si moi madame moi marié mariage là pour durer pour jusqu'à ce pour tant que n'a vécu sous terre jusqu'à ce que la mort sépare nous sous Matthieu 19 verset 6 1 Corinthiens 7 verset 10 à 39 Romains 7 verset 2 avec à 3 ou après ça et pour entrer nous t'a parlé de mariage là pour nous capable entrer dans sujet nous en à soir qui c'est est-ce que nous capable considérer mariage là et si nous capable considérer fiançailles là comme fondement la di pilier base mariage journée jodi a si tout journée jodi a si tout yam remond la pour aller là si nga parler de fiançailles journée jodi a fiançailles là yo considère comme préparation du mariage fiançailles là li sorti en latin qui dit confiare confiare. Nous connaissons en latin toutes les lettres se prononcent. Confiare signifie confier à. Ma fiançailles là, il sorti en latin. L'enracine mot latin qui dit confiare, qui signifie confier à. Confier, me confier à quelqu'un. Madame me confier, non, moi me confier dans l'itre. Aïe, fiançailles. Bad quand dit madame, aïe, fiançailles. Ménage moi. Les bouillons coupent. Ou deux personnes qui gagnent intention. Bagay sa li pour un couple, couple la vle di demoun ou bien deux personnes qui gagnent intention pour marier. Pour gagnent intention pour marier, pour valider jusqu'au jour. Le pasteur li capable déclarer homme avec femme. Fiançage là, moi dis sorti dans latin qui vle di confiare. Qui signifie confier à quelqu'un. Bagay sa li pou de moun qui gen intention nan tèt yo pou yo marié et yo valider tout nan fiançailles la. Pour yo tann jusqu'à ce que évêque ou bien pasteur ou bien moun kap célébrer mariage la pou le di moi déclarer homme
femme ou bien mari, ou bien mari avec femme, ou bien homme-femme. Et là, mariage là, li fait jusqu'à ce que et pasteur a déclaré ça. Et étant que chrétien, n'a vive. Étant que humain tout cap vive. Première grande décision ou gen pour prendre dans la vie ou même cap vive qui c'est homme ou bien femme, première décision gen pour prendre dans la vie ou c'est accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel. Première décision ou monde gen pour prendre dans la vie ou dès qu'on est et l'on gen bon comprendre, c'est accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel ou. Ça c'est premier plus gros décision yon monde gen pour prendre dès qu'il existe. Dès qu'on gen bon comprendre, ou gen bon nom, ou gen maturité, ça c'est plus gros décision ou capable prendre dans la vie. Et deuxième décision ou capable prendre, c'est là ou gen capacité ou gen maturité pour faire un choix. Une personne pour préparer avec elle, après les fiançailles. Deuxième décision capable de prendre, l'on a maturité, soit un garçon ou une femme, c'est l'on a capacité pour faire un choix dans la vie, pour faire choix une personne, pour faire choix une femme ou un garçon, et pour préparer l'avenir et pour entrer dans le lien, mariage, la laisse pour construire, foyer. Ça, c'est une deuxième décision capable de prendre. Vu que quelqu'un. Alors, bosse ki mon nou ka pose question ki va poser question va dire mon ki di va marier ki ni ki bon en tous les cas son sujet c'est question ka poser m ka répondre ou même ki y a sur non ou li pou poser question m'a pli commentaire m'a répondre bon Dieu a permettre moi répondre à question. Deuxième décision ka va prendre maturité pour dire ah bon n'a comprendre et pour me préparer fiançailles pour me préparer avenir pour me prendre autorité pour m'entrer dans le mariage. Ça est une deuxième décision pour capable prendre étant que humain dès qu'on est des décisions ça yo pour capable prendre dans la vie. Normalement chaque monde qui vive chaque garçon qui vive chaque fille qui vive chaque garçon qui vive il gon code perdu. Et chaque fille qui existait, il perdit origine. Et à chaque fois un garçon trouve une femme, il dit moi joine côte moi qui t'ai perdu parce que nous connaît et dans profond sommeil mon Dieu t'ai plongé l'homme et puis il te prend côte dans l'homme et puis il te fait Ève. Elle a dit Ève sorti en dedans Adam. Et chaque fois, et ça fait chaque fois un homme, un garçon et une femme lui dit me trouver côte moi qui t'ai perdu. Et chaque fois, yon femme joine yon garçon, il dit moi joine origine moi côté me sorti. Ça c'est un gros bagage. Sous le Genèse 2 verset 21 après ça à 24. Sous le Genèse 2 verset 21. Et nous devons trouver quoi ça et fia ou doit trouver origine ça. Chaque garçon qui a vu ou doit trouver quoi ça qui t'est perdu là et faut parfois admettre et faut croire que ou joine bon côte là quoi tout t'est perdu là faut qu'on ait le joine et pas faux côte non son bon côte et depuis ces bon côte là joine garantie ou va passer bon moment sous terre avant que ou mouri jusqu'à ce que Jésus-Christ retourne parce que vous jouez une côte qui te perd et bon côte là pas faux côte là et fia tout depuis jouer origine là vit bien là font bon fiançage il a rentré dans le mariage il a font bon foyer et fiançailles là mes amis chrétiens chrétiennes fiançailles là c'est temps pour discerner fiançailles sont moment spécial. C'est temps pour discerner, c'est un moment de discernement. Essentiellement en vue du mariage. Parce que pour fiancer, premier bagage qui est en tête,
C'est mariage, ou après devant des gens, ou après magasiner, ou après préparer pour mariage. C'est temps de réflexion. C'est temps vraiment pour calculer, pour réfléchir. Est-ce que je dois marier vraiment que je suis fiancé? Ou sinon, est-ce que je dois marier? Parce que la fiançaille est là, il n'y a plus de problème. La fiançaille est là, c'est le plus gros moment. Et puis, moment important qui gagne l'envie des monde qui gagne vision pour le marier, pour entrer dans les liens du mariage. Parce que c'est là où on réfléchit et c'est là où on analyse, où on dit est-ce que moi dois marier tout bon vrai, est-ce que je dois entrer dans les liens du mariage. Et yon moun qui fiancé les gens doivent faire 10 ans fiancés, les gens doivent faire 5 ans fiancés, 3 ans, 4 ans, 5 mois, 1 an fiancés. Ça dépend de vous-même, des capacités et des visions que vous avez. Ça, ces fiançailles-là, ils doivent faire. Vous devez être fiancé. Parce que dès qu'on parle de mariage, avant, premièrement, ouais, fiançage. Ouais, fiançage. C'est ça, ouais. Et fiançailles-là, me dit, c'est le moment pour discerner, c'est le moment pour garder. Est-ce que vous voulez marier vous? C'est le moment pour réfléchir. C'est le moment, c'est un temps de réflexion pour savoir si l'on va vraiment marier et si l'on veut faire vraiment avec, si vous voulez marier vraiment vrai avec personne ça qui devant. C'est là pour garder, pour dire est-ce que c'est choix ça me doit faire vrai. Ça est le moment de fiançailles. C'est là pour garder, pour dire est-ce que c'est réellement vrai. Moun sa m doit choisir. Et bon Dieu béni au milieu, bienvenue la bienvenue, nous saluer présence. Malgré noir état et m'entrer d'emblée dans sujet là. Ben c'est non, noir état n'a tant de sujet là. Et comprendre, m'a parler de fiançailles, est-ce que n'a parler de fiançailles comme pilier comme fondement mariage là qui est important pour jeune monde qui veut marier jeune garçon jeune fille pour marier. Oui, moi dis c'est moment pour garder vrai, c'est moment pour réfléchir, est-ce que je dois marier, est-ce que je pas dois marier, est-ce que réellement vrai c'est monde ça devant là monde moi là monde moi avec moi fiancé, est-ce que l'im vraiment vrai m'doué kembe pour entrer dans le lieu du mariage? Est-ce que c'est lui même vrai? Parce que c'est moment de grande décision, moment de fiançage. C'est moment pour garder, pour dire est-ce que c'est un tel? Est-ce que c'est fils ça m'vle vrai? Est-ce que c'est lui même m'a capable kembe pour marier vrai? Moment fiançage. Il y a certain temps de savoir si l'on ressemble ou pas. Parce que toujours dit qui ressemble, ça semble. Des gens qui semblent ou rassemblent ensemble pour faire des piles. En comportement, en qualité, en parole, en conduite, en pensée, la question bien matérielle, question morale, spirituelle, tout bagay ça, c'est le moment fiançailles là pour gérer. Moment fiançailles là, c'est le moment qui est plus important. C'est ça que je me dis, est-ce que nous sommes capables de parler de fiançailles jour et jour comme étant pilier, comme base, fondement au mariage? Parce que les gens regardent le mariage, ils parlent en pile de mariage là. Les gens regardent le caractère, la qualité du mariage là. La Bible parle de l'IA. Est-ce que jour et jour nous sommes capables de parler de fiançailles là pour faire le mariage ça, que nous parlons de l'IA? Moment fiançailles là, c'est moment pour poser des grandes questions. C'est moment pour faire des analyses profondes. C'est moment pour dire est-ce que un tel est compatible avec? Est-ce que un tel lui a fait jouir le bonheur, quel que soit garçon ou bien fille? Est-ce que garçon ça, il a même vision avec? Ou poser des questions dans le sens spirituel, matériel, économiquement, moralement, est-ce que nous même penser? Spirituellement, est-ce qu'il confesse même foi? Est-ce que nous avons même vision et sur les choses spirituelles? Parce que tout ça rentre dans les liens de fiançage. C'est ça que fait. Et moi, réaliser si
yon moun ou gen fiancé tout bon vous voulez entrer dans le lien du mariage, si vous réalisez que vous voulez marier ou gen fiancé, parce que le fiancé a lui même qui base mariage et lui même pour moi qui base mariage là, est-ce que puis devant gen des échecs ou pas prendre yo, gen des échecs ou pas prendre yo, parce que c'est le temps pour qu'on ait qui type de moun ou gen en main. Vu que vous ne connaissez pas mon nom à 100%, ça, c'est impossible. Il y a des défauts, même si vous avez 5 ans avec mon nom, même si vous avez 10 ans fiancé avec mon nom, il y a des défauts, vous ne connaissez pas mon nom à 100%, il y a des défauts, il y a des fois que vous allez rencontrer. Mais au moins, vous connaissez un petit peu, une petite crasse. C'est-à-dire, c'est le moment pour analyser, pour penser. Est-ce que mon ça en comportement, soit en qualité, en parole, l'en penser, la façon d'agir avec vous, façon li gérer économiquement, faut gérer tout ça yo, tout bagay ça c'est l'enfiançage pour gérer yo économique, bagay économique yo gérer l'enfiançage, parce que soit préparer le mariage, il y a quelque bagay faut qu'on ait, est-ce que nèg ça va en gaspiller, est-ce que nèg ça il son moun qui kon gérer économiquement, faut gérer tout bagay ça, et ça ka bon un mariage réussi, tout ça rentre dans en ligne de compte. Et matériellement, bien matériel, est-ce que moun sa li bay priorité avec bien matériel plus que chose spirituel sous ces chrétiennes? Faut garder tout ça yo. Moralement, faut garder intention moun nan. Faut garder est-ce que moun sa c'est un moun qui moralement li réfléchit bien. Bon Dieu béni yo bon Dieu béni yo. Bon Dieu béni yo, bienvenue nous saluons présence et on a parlé d'un sujet qui est extrêmement important là qu'on a. Si nous commençons avec Mounio qui a un sujet difficile, la pi bon, parce que là nous commençons avec Mounio li pi bon, et on attend de tout ça dit dans sujet là, et on a bien temps pour poser question. Et oui, moralement pour est-ce que moun ça li réfléchit bien, et spirituellement est-ce que son moun qui sous qui gère à faire bon Dieu bien, est-ce qu'ils sont moun qui pas qui néglige les choses spirituelles, ou bien qui est-ce qu'ils sont moun qui confesse même foi avant? Et ça moi me parler pour les chrétiens, moi me pas parler pour les païens, moi me parler pour les chrétiennes. Et fiança là mes amis, c'est moment qui est important pour construire dans l'amour vrai sans contrainte. Fiança là c'est l'époque pour ouais, est-ce que moun sa vrai li renmen ou tout bon vrai, est-ce que moun sa vrai c'est lui même mon Dieu choisi pour ou? M'te dit au commencement Miloa sou la, chaque fille k'ap vive, chaque garçon k'ap vive, li gon kòt perdu depuis poko marié, li gon kòt perdu. Chaque fille k'ap vive li gon origine qu'elle poko trouver, parce que bon Dieu te fait Adam dormir, li pon kote, li forme Eve. Et Eve sorti en dedans Adam, et nous on kote qui sorti en dedans nous tout, kote là li sorti. C'est un filier, kote ça son filier. Et ça fait à chaque fois que nous nèg ou bien jeune une femme, ou est réellement c'est lui même ou qu'a fait chemin, c'est-à-dire trouver kote perdu là. Et chaque fois son fille ou jeune une nèg, ouais c'est lui même bon Dieu met sur tout à bon jeune origine au côté de sorti. OK Miloa, d'accord, bien content là, on attendait sous beaucoup marié sous fiancé, mais c'est très important pour savourer moment ça. Oui, elle a dit fiancé elle a ce moment de connaître, moment de discerner, moment de connaître, moment pour qu'on ait est-ce que réellement vrai fils ça garçon ça li gen capacité, li gen moyen de réflexion, capacité physique. Faut garder si c'est pas un monde qui maladif, si c'est pas un monde chaque jour l'hôpital, c'est un monde c'est comprimé tout dans la boue. Faut gérer tout petit bagage ça, tout ça on doit commencer dans fiançage. Et ça fait journée jodi am di est-ce que gen fiançage, parce que moun yo on dit joine moun yo marié. Yonik jwenn yon moun. OK. Yonik jwenn yon moun.
Et Clémita, t'es lisma. Et t'as les mains pour répondre à Clémita. Et Guédemoun, je ne j'ai pas dit à faire fiancé là, il va exister parce que j'ai un moun yo prendre là parce que raison sacré les voyager à l'étranger à craser à faire les fiançailles là. Et c'est ça crée un pile de zone dans mariage là toujours ne jodi a ça que les mariages là pas gagne hypocrite dans le mariage pas gagne l'amour dans mariage là parce que moun nan là ni gros moun sur internet li voye chercher l'Haïti et moun nan pas compte s'ils sont petit diable ou pas compte s'ils sont petite malfaite ou pas compte s'ils sont démon vinil vini si tout sont si sont chrétien chrétien fait bagage ça chrétien moun bon parce que moi connais chrétien c'est mon intelligent m'a demandé est-ce que c'est chrétien tout. Moun nan li vini pour faire son bon serviteur, moun nan vini jodi demain si Dieu te le marié. Tête chargée. C'est-à-dire, journée jodi a un pipi devant tande problème. Gen de bagay bon Dieu pa pou ki pou avè, ou pa bien rele bon Dieu. Gen de bagay ou fin faire tête chrétien. Ou pa bien rele bon Dieu non? Ou pa bien prier bon Dieu pa tande ou. Et ki lè ou ka konnen yon moun se kòt pa ou la. Pi moment vraiment moun ka konnen moun nan se kòt pa ou la. C'est connait ces moments fiançailles là. Autant de samedi là, moment fiançailles là, c'est un temps de discerner, c'est-à-dire l'op discerner un bagage pour connaître s'il bon avec s'il mauvais, s'il bon. C'est moment essentiel dans vie pour connaître est-ce qu'on doit marier. Parce que moun qui fiancé ou là qui a avoir la première avoir là, ou après certainement sous ces chrétiens ou après c'est bon Dieu baoul. Ou après moun sa li a aller dans sens ou dans toute bagaille sous le plan spirituel économique et social ou après moun sa li livrer la veille totalement et bon Dieu pour ça sous ses serviteurs bon Dieu sous servante bon Dieu pour ça les fini une dans bagaille on prend forme Abdou Clémita tel Clémicia Telisma une dans bagaille Abdou si on prend fort immédiatement joindre côte par là préparer pour rencontrer difficulté dans fiançailles. Prépare pour rencontrer problème dans fiançailles ça. Lors commencer rencontrer problème pas laguer pas décourager parce que des fois pas rencontrer problème dans fiançailles là, il faut qu'on compte pour là. Bagala la bagarre douce pour comme ça. Faut rencontrer difficulté. C'est moment ça après lors une compte pour là, c'est moment ça après toute jeune fille pas jamais moi tu garçon à l'église là. Il y a pas jamais moi tu jeune homme ça dit tout. Son gros soulier était immédiatement ou joindre. Yo commencé crabino, yo commencé à bon, yo commencé à blaguer tout vernis sous dos pour faire deal. Yo commencé à causer avec elle. Yo commencé même il va dire j'aime bonne existence sinon. Son vieux fait tout mettre colle devant derrière. Yon vieux soulier droite et gauche comment vieux soulier dans pied. Et puis tout va j'aime elle immédiatement mon Dieu provoquer c'est lui même qui pour ou après immédiatement commencer trouver des difficultés. Non, laisse ça on mettre quoi que c'est côte pour là laisse ça et laisse ça pour fidèle avec côte. Alors un peu m'balo Clémicia, un peu m'balo et puis Miloua. Miloua dit combien de temps pour pipiti yon moun ka doué faire fiancé pour la prendre yon l'autre. Bon. Et Miloua, ça dépend de question fiancé là, ça dépend de temps. Ça dépend de li vient de capacité ou économiquement, spirituellement tout, capacité morale ou tout ça rentre là-dedans parce que fiancé là au moins pour pipiti dans 2 ans pour pipiti dans 2 ans ou ka fiancé en monde ou marié à monde li bon li ou pas j'aime fin kon moun nan tout ça mais dans 2 ans au moins ou ka comprendre moun nan dans 2 ans quelque petit bagaille ou connait quelque petit bagaille ou connait. Alors son question moi poser est-ce que nous ka considérer fiancé là comme pilier comme moteur mariage là. L'an 2 ans pour petit Miloua ou capable comprendre mon un peu. Même le fait 10 ans mon n'a pas jamais connait. Même dans le mariage on pas finir connait mon. Alors on va se va comprendre. Oui. Faut garder dans serviteur ça ou bien dans servante ça, il y a 3 types de l'amour que Bible a parlé de yo. Faut garder ou approuver que ou joindre 3 types de l'amour ça dans la vie mon ça qui c'est 3 types de l'amour ça qui c'est l'amour filial. Premier c'est l'amour érotique. Eros là qui c'est érotique. Deuxième là qui c'est l'amour filial. Et troisième là qui c'est l'amour agapé. L'amour érotique là, c'est l'amour qui basé sur sentiment, eros. C'est-à-dire
L'or est érotique, l'or est éros, c'est-à-dire ouais sentiment, c'est garçon relation, garçon avec garçon, parce que souvent c'est au monde, faut ou quoi que monde ça son monde qui garçon, faut ouais monde ça son monde qui va avoir le bon problème sur le plan érotique, faut ouais son monde qui bon, vous comprenez, faut ouais tout type de l'amour ça dans la cali, faut ouais. Deuxième là qui c'est l'amour filial, l'amour érotique là tout, il était manifesté dans la dans Adam tout. Dès le commencement, l'amour érotique l'a manifesté. Non, pas d'accord avec nous. Il manifesté là Adam dès le commencement. Les bon Dieu fin fait Adam dormir pour Ève. Il vient prendre Ève, il mène bas Adam, il prend compte là fait fia. Les bon Dieu mène Ève by Adam dit voici celle-ci os de mes os, chair de ma chair. Là c'est pas l'amour agapé qui manifesté dans Adam. C'est pas l'amour filial, ça c'est érotique là qui manifeste dans la vie Adam. Et l'amour filial là c'est l'amour de partage, côté ou moun nan li remi partager. L'amour filial là c'est l'amour côté ou ka wè moun nan yon papa gen doit partager avec ou sal gen. Gen doit gen suret là ou elle vini avec avec petit li sal gen. Gen doit un jour li dou n'ap font si partage. Jodi a les bon ti fèt li pote un bonbon pour ou même ou gen doit faire partage avec les cigarettes. Faut tout l'amour filial la faut wè dans la ville tout. Faut que moun ki me partager entre li même avec ou nous me partager. Il doit bonti surprise tout ça. Pa l'amour filial la son l'amour de partage li. L'amour gen doit gen cigarette ou même ou gen bonbon cigarette. Ou toujours wè l'amour ça dans foyer entre papa petit ou papa pote bagay pour petit pote et bagay pour papa tout ça est l'amour filial. Et troisième l'amour qui c'est l'amour agapé, son l'amour sans condition, l'amour Jésus-Christ ça même, l'amour spirituel là, c'est l'amour qui basé sur la spiritualité. M'parle moi parce qu'on gagne belle dada, m'parle moi parce qu'on son belle femme, m'parle moi parce qu'on son ou son monde qui gagne belle qualité, m'remon parce que m'doure remon parce que bon Dieu apprend moi pour m'remon. Parce que l'amour, il doit manifester l'amour agapé, son l'amour sans condition, sans intérêt. Et l'amour ça, c'est l'amour Jésus-Christ même. L'amour qui te fait le venir, l'amour qui te fait plan ça. L'amour qui te fait nous même avec, nous ne veut nous exister, c'est l'amour agapé. Et l'amour filial, il y a dans la Bible, il y a une histoire de David avec Jonathan, fils de Saül. Sous l'île 1 Samuel, je crois, chapitre 18, ou après, il dit comme ça, Jonathan aime David comme son âme. Vous connaissez que Saül était bien tué David, qui t'a chargé de détruire David, mais Jonathan, le fils de Saül, tellement épargné David des actions Saül. La Bible dit que Jonathan aime David comme son âme. Ça, on l'a mon filial, on l'a mon attachement. Où est mon attachement là? Et Miloua, mon ba jam fin kon mon vrai l'homme chargé ak cha oui bon c'est ça Miloa ou pa jam fin même là dans les foyers ou pa fin konnen dans les foyers c'est seul bon Dieu qui connaît mon c'est seul bon Dieu et ça fait c'est lui même qui pi bon ami en tout c'est lui même qui connaît tout et c'est lui même tout nous doit dire tout ti affaire nous et lui même bon dit tout ti causer nous parce que c'est lui même qui sont bons amis parce qu'elle dit va reler nos serviteurs. Parce que servite a pas contre ça mettre la fait mais lire les nous amis contre tout ça amis a fait. Et par rapport des relations avec bon Dieu, est-ce que un chrétien t'a dû prendre temps pour le marier? Et chrétien l'heure du temps par exemple, est-ce qu'il m'a dit 2 ans 3 ans maximum? Parce que la printemps Clémicia ça fait la printemps li capon pour plus petit, ça dépend de capacité ou spirituellement, économiquement. Si c'est des monde qui tout pare économiquement, yo chrétien économiquement yo gen moyen. Yo gen activité à travail. Yo capable prendre même 6 mois yo marié. Mais gen des préparations, li pa fin konnen. Gen des bagages, li pa fin konnen parce que moi même moi 6 mois li trop petit pour pas connait ou quelque bagage pas connait parce que les non c'est chrétien pour connait monde dans ses corps ouvre mes amis là fait 6 mois monde si n'a travail n'a travail nous pas rencontrer nous pas chiter parfois monde n'a pas m'gêter pour nous dialoguer nous pas temps assez si un jour dans une semaine ou bien 2 jours dans mois est-ce que nous gain temps assez vrai pour nous dialoguer pour nous connait l'autre
Est-ce que nous connaissons vrai? C'est-à-dire, l'un des chrétiens, moi-même bien tout, si économiquement, nous avons maturité, nous sommes chrétiens, ou prouver que ces fils à bon Dieu, bah, ou, 6 mois, 6 mois, bon, vous mari, ou pas marié dans 6 mois. Mais, puis devant, on va le reprocher, bon Dieu va pas reprocher, mais on, parce que bon Dieu, son bon Dieu, l'ordre lié, bon Dieu, pas un bon Dieu des ordres. Bon Dieu remet principe. Parce que, l'autre prend temps à mon nom, parce que, ou bien temps devant, plutôt 10 000 fiancés à écraser, ou mariage à écraser, ou à comme ça, et éclamé plutôt, t'es fait 10 ans à mon nom, ou pas marié avec elle, ou crasé fiancé à la lovine de couche, mon nom, bon, faut pas me changer la cali, ou dit bon, m'pap rentrer dans le mariage avec mon ça. M'pap rentrer dans le mariage avec mon ça, bon, même si j'ai 10 ans fiancé avec elle, on crasé ça. Passer au marié pour craser lui. C'est ça qui fait qu'on doit prendre temps pour savourer, pour discerner vrai. Est-ce que mon ça c'est lui-même? Est-ce que c'est lui-même? L'offre découvre que c'est lui-même parce que bon Dieu prouve que c'est lui-même. Bon, mon soeur est marié. Mais quelqu'un qui a dit que je suis bon, ça est lui-même. Il est marié. Ça est lui-même relation à bon Dieu. Tout le monde a la même capacité. Excusez-moi, bon Tido. Oui, c'est-à-dire tout le monde a la même capacité, même maturité de réflexion. Parce que, regardez mon fin de juin. Regardez mon fin de juin dans la vie. Ou à moi, de bon Dieu, la mort, ou pas besoin de mourir, non? Qui est-ce qui? Regardez mon. Ou fin yon nan vi ou kantren dan la vi ou. E sak fè lò se kretien. Se sak fè lò se kretien. Kretien se moun ki pi. Mwen men. Gè apil moun ki panse kretien son gozon. Yo rele nou tèt mare. E nou fè rele nou tèt mare. Kretien pa gozon. Pi bon jen jen ki egziste sou te a. Kretien, un kretien lwe yon. Mwen men sou kretien. Pou mwen men se mwen pi bon jen jen sou te a. E mwen konvek sa. Paske. Un chrétien, c'est lui-même qui doit plus bon jeune gens. Parce que chrétien, c'est un monde intelligent, c'est un monde sage, c'est un monde qui a l'amour. Parce que chrétien ne peut pas vivre sans la sagesse. Télisma. Sincère, oui, Télisma. Sincère, oui. Moi-même, sincère que ça me dit. Parce que plus bon chrétien, plus bon jeune gens qui sont à son chrétien pour lui. Parce que chrétien gen la de réflexion, parce que chrétien li son l'autre monde, nous pas comprendre monde là même avec monde qui pas chrétien, monde qui pas yo mes amis, faut intelligent vu que journée aujourd'hui a va entrer la micro à mettre juste ça bon mettez plus bon vu que journée aujourd'hui a gros problème, c'est un crime et tout. Moi m'a dit ça son crime raison. Chaque fait son crime, li son problème tout et gen des bagages bon Dieu va entrer là-dedans, c'est ba dormir parce que madame pas là. Parce que ça c'est un chrétien lui fait quoi dans tête. Oui, un chrétien de quoi dans tête. C'est ça que fait bon Dieu Benoît Richardson. C'est ça que fait. Moi-même, je dis ça totalement, ils sont problèmes. Parce que, il y a de l'église, congrégation, ça est principe d'homme. Les gens dans l'église, c'est eux-mêmes. L'église, c'est majorité. Majorité de l'église, c'est eux-mêmes qui rendent mariage par rien valer. Mariage par exister comme étant principe bon Dieu établi. Je suis sur ça, je dis ça, fait ça. Il y a de l'église qui dit, oh oui, de pour mener dans l'église, là, 6 mois pour marier. Et bien, les. On pas servi en principe, moi-même moi quoi dans principe, moi respecter principe. Moi remet principe parce que moi son monde principe, moi remet et me lever côté gain principe. On passe 12 mois pour marier. Bamdou. Là on passe 12 mois pour marier, même là tu gain maturité économiquement pour moi-même li un problème. Ou on joue nous fille ou pas conn fille a 6 mois ou marier avec.
Si mon marié son pas qu'on a un défi, voir qu'on fille a qu'on dit mon yoni en peinture, ou qu'on a un minimum, même 0.5% de lit. Parce que, dans 6 mois, est-ce que tout le temps on a temps pour parler à la fille, tout le temps on a fait pour. Excusez-moi, pour dialoguer à la fille, on a travaillé. Est-ce qu'on a parlé pour que tu aies une fille assez? Parce que, 6 mois, l'église est trop vite, l'église pour causer un gros problème. C'est ça qui fait un pile maillard écrasé journée aujourd'hui. C'est ça qui fait aujourd'hui le mariage a perdu valeur. C'est ça qui fait un pile d'hypocrisie dans le mariage. Parce que l'église, le principe d'homme crasé et bagaille mariage là, yo pas quitter moun yo. Les fini non seulement l'église yo non seulement yo dit 6 mois, yo connaît deux moun depuis yo tande remé, yo trouvé l'eau. Ah, on connaît principe là 6 mois, oui, 6 mois pour marier. Il met yo relo, yo pas jamais expliquer ça gain dans mariage. Yo pas jamais parler avec eux, yo pas jamais dire comme ça. Et mais comment mariage là, yo pas jamais faire prémarital pour. Y a tant date là. Par ici, moi, fait des bagages ou pas de faire et ou cap wel ou cap dit nan mou journée jodi a hypocrite gen trop hypocrisie dans mariage ça fait ça parce que pas de préparation on pas connait moun nan vrai moi on grand moun marié et mesdames yo journée jodi a ça fait gen pile mesdames yo hypocrite en pile dans mariage là puisque l'église a te kembe au marié yo même les garçons tout yo à bâton yo obligé rete prendre bâton parce que garçon li seyon lycée musicien l'église a me parlé ça dans vidéo lycée on monde qui gonne prêcher parfois son jack et puis madame la Maria tout en bâton dans cala l'a soufflété dimanche grand matin qui est-ce qui a fait le petit Maria ou pas me dire rien qui est-ce qui a joué bassa Mario qui est-ce qui a joué keyboard la Mario pour qui ça ou pas veut dire ça ou pas veut dire dit monde ça peut-être pour Mario qui a trouvé keyboard pour monde pas connaître enfant ou mourir et l'enfer on parler c'est hypocrisie et ou cap mourir tout yema ou fin tout elle pomper sur le tout. Puis si tu parles ta belle-mère et puis ou même non ou parle dans l'enfer, li ka gete repenti fi que la paye pour tout ça le faire, la repenti, puis tu parles vivre ta belle-mère. Et puis tout mouri pour veo. Hypocrisie. C'est-à-dire ça vient créer un pile problème. M'pense m'gè pour me parler de ça, hypocrisie dans les frères. C'est une bagarre qui a ravagé monde là qui cause un pile monde mouri. Y a prend balle au fond. Pendant ce temps Bible a baï comment nous devons réagir. Il y a des gens qui ont intérêt, oui, intérêt. Bon, il y a intérêt, c'est un business. Oui, il y a des principes, quand vous mettez l'église, mes amis, vous rendez la vie impossible. Il y a des principes, vous mettez l'église là, vous venez faire la vie, jeune monde qui l'église, vous gaspillez parce que non seulement vous venez craindre pour vous prendre, parce que vous connaissez depuis vous prendre, vous avez un relais pour Jack et vous dites aussi moi. Quand vous venez craindre pour vous prendre, vous avez une jeune fille, une belle fille, elle était capable de marier, de faire elle, de faire un peu de parce qu'elle perd le principe. Principe yo fait moun yo gâcher avenir pile jeune l'église. Principe moun yo mette principe d'homme yo gâcher avenir pile moun dans l'église. Oui, m'te parler de trois types de l'amour. Le fiancé à moun nan doit être trois types de l'amour ça. En dans la vie. Ou doit être ça. Et fondement vrai mariage, ça s'appelle le bon mariage là. Il commence dans les fiançailles. Journée aujourd'hui a fait fiançailles, il pas gain valeur encore raison parce que a fait Brésil, Chili ça. Moi m'a constaté son catastrophe naturelle parce qu'elle craser a fait fiançailles là. Mon nan do fiancé sur internet. Li wè mon nan pa konnen, li wè mon nan met une belle photo sur internet, li fiancé avec sur internet là sur Facebook. Vini puisque c'est chrétien, ou l'a travaille dans l'église besoin fille puisque elle fonctionne dans l'église. Vini fia vini dans demain dire autant de mariage. Moi même ou pas même expliquer ma foi. Serviteur bon Dieu que mieux ou pas même prier bon Dieu tout. Gende bon ou pas même prier bon Dieu. Bon Dieu pas tant douleur rencontre difficulté dans foi ça. Je dis à fiancé la paix d'Ivalel. Pilier vrai mariage là commencer dans fiançailles le vrai, c'est vrai fiançage là. C'est fondation. Principe bon mariage là c'est fondation fiançailles là. C'est ça. Et bon Dieu,
m'a clair pour me dire fiancé là c'est lui même qui moteur c'est laisse ça pour connait moun nan s'il gon défaut pour aider le corriger défaut s'il pas ca corriger défaut pour dire m'a pas ca continuer parce que la Bible dit que le fiançailles c'est la fondation principale de dans l'amour. Le fiançage ne corrige pas le problème. Fiançailles là pas corrige problème mon non. Fiançailles là pas corrige problème mais il permet que nous construisions une base qui sur un roc solide. Il pas corrige problème yo. Il pas résoudre problème yo mais il permet nous construire sur un roc solide. Il permet nous construire relation sur roc solide à travers un dialogue. Fiançailles là il pas comme si il corrige problème mon non mais il construit li créé un fondement solide, li bâti un fondement solide et tout le monde qui suit si j'ai ça, li important pile, gen trop gaspillage qui fait. Bon, on connaît comme ça forme de ça, li fort ça, ça qui est important yo minimiser yo. Ça qui est important c'est monde là qui est allé à la dérive. Monde là qui est allé vers son terme parce que la fin de toutes choses Bible Jean-Pierre Abdilla et puis 4 verset 7 je crois la fin de toutes choses est proche. C'est-à-dire faut nous faire en proche et mon pas j'aime entendre ça bon ça capitule yo mais yo plutôt tendez ou après là si yon bagaille qui parler de fait bagaille là monter à un petit tête comme ça là après monde mais vous connaissez moi-même voulais sauver la vie en série monde. Il pas trop tard, même veut sauver la vie en pile monde. Et dans le travail bon Dieu confie maintenant, c'est pour me sauver la vie en pile monde. Il mettait 10 grains de monde cap tendait mais s'il me sauver la vie 5, me satisfait. M'a dit bon Dieu m'a récompensé même avec 5 talents yo. Avec 3 talents yo. Et bon Dieu a dit me récompense moins de travail bien. Parce que talent bon Dieu ban moi ça le mettre là moi me voulait pour me travailler avec pour m'aider monde. Parce que moi monde. Je voulais moun parce que moi konn kote m sorti et m konn kote mye kounya et m konn ki ça m prend et m konn ki ça m'a confronté déjà et m konn ki ça m'a confronté actuellement là c'est à dire m voulais sauver moun moi voulais sauver moun OK Milo a pas un problème m voulais sauver moun moi dit fiancé là li pas là pour corriger problème mais li permettre pour nous construire une relation sur un rock solide. Le fiançailles ne traite pas tous les problèmes, mais permet de faire un tour minimum à des questions essentielles pour qu'il y ait une prise de conscience. Vous entendez? Pour qu'il y ait une prise de conscience entre ces deux personnes. C'est-à-dire, il n'est pas là pour corriger le problème, mais il y a un minimum. Il fait un petit tout minimum pour nous prise de conscience. Si je ne suis pas de bon envie, je suis à fiancé tout à reprocher, je vais prendre conscience pour me dire si je ne vais changer ça, il pas bon moins. Et il va continuer dans le frère, il n'est pas bon, il va craser le frère. Ça est un moment fiancé. Et dans le fiançage, ne mettez pas. Il ne mentait pas. La fiancée là et yo dou pas menti. Menteur yo. La fiancée avec un monde ou connaissez moun sa vous choisir moun nan mon pas bal menti. Pas dit ou s'il pose une question de un bagage, dit la vérité, même s'il quitte yo, dit la vérité a. Même s'il dit l'écraser fiançailles là dit vérité parce que depuis le quitté et pas li bon Dieu t'a choisi pour vous dit toute la vérité parce que Bible dit quoi ne mentez pas bay faut mentir c'est pour nous dire toute la vérité dans cœur cap sorti dans cœur nous ne mentez pas il faut dire toute la vérité sans réserve parce que il y a des bagailles Jean 8 verset 44 si nous li dit quoi moun k'ap bay mentir c'est petit diable. Dès que vous avez dit que vous avez dans le si nous n'avons pas écrit encore, moi allons aller en programme assemblée côté de moi. Ok, Kremita, bon Dieu béni, que bon Dieu avec vous, que bon Dieu protège vous. Nous souhaitons passer un bon moment.
Merci pour votre présence, tu es là, merci. Et Jean 8, verset 44 dit, ne mentez pas. Et pas bah, mon cap bah menti, c'est petit diable. L'enfiance à la, mon fiance à la, pas menti, c'est pour dire toute vérité. Ou te gonti petit, c'est pour dire oui, mon petit. Même si le même si sous te souvin vivre, soit sous ta vivre en la ville ou quand on est, ou gon petit en dehors, c'est pour dire gon petit en dehors. Si ou à l'étranger ou quand on est, ou vraiment vous êtes nègre là. Qui choisit ou choisit pour faire vivre, c'est ou grand petit Haïti, c'est pour dire oui, mon grand petit. L'offre maille et laisse à l'école qu'on a grand petit, problème, catastrophe. Bon Dieu, pas prendre plaisir dans ça. Pas de bail menti, mes amis, dans ma fiançaille là. Parce que menti a conduit dans le foyer, il va créer des problèmes parce que pas de pied qui a pris de soupe, qui a pris de verser. Pas de pied qui a fait l'enfer noir, pas de partager clair. La journée. C'est pour nous dire vérité. Parce que c'est pour oui ou c'est oui, et pour non c'est non. Mieux vaut que, plutôt nous craser 10 000 fiançailles, nous dit ça, parce que nous craser un mariage pour nous finir dans l'enfer. Plutôt nous craser 10 000 fiançailles, parce que nous craser un mariage pour nous finir dans l'enfer. Le moment de fiançailles, c'est le moment primordial dans la vie des couples. C'est un moment qui est primordial. Tout menti par fond. Oui, tout menti par fond. Tout menti par fond. Oui, Emilois, tout menti par fond. De pour fiancé, on est de pour remis, on est pas mal menti. Parce que, moun qui, l'amour quoi tout, Bible a dit l'amour quoi tout, pas oublier, sort de la prendre. Mais, de loin, c'est-à-dire, la nuit profond dans le mariage là, l'a découvert quand t'es mal menti. Et elle découvre que tu as menti, il va créer des problèmes dans le foyer. Il va créer des problèmes dans le foyer. Qui va créer des problèmes, il va créer des obstacles, qui va coûter des problèmes qui doivent coûter toute la vie. Parce que Néarine va décider de le doigt, il va continuer encore le craser mariage là. Parce que quel homme dit, la Bible dit quoi, quel homme est torturé par-dessus tout, qui peut le connaître? Personne ne peut pas connaître quel homme. C'est le bon Dieu. Et ça fait, dit toute la vérité. Plutôt ou d'une vérité, il n'a quitté. Plutôt nous vérité mon nan li dit bon pas me décider pas aimer avant encore mon craser fiançailles là et moi salut Watson bon Dieu béni on était en retard on belle si j'en a parlé là très important pour mon qui beaucoup marier et la fiançailles là dit pas mentir c'est pour nous dire toute vérité sans réserve pas serré serré ti cal bagaille pour dire oh ça me pas dit ça faut dire plutôt dire mon n'a pas décidé de continuer avant encore laisse à bon Dieu après ou honnête et bon Dieu bon Dieu depuis mon n'a quitté qu'on ne sait pas les bon Dieu te choisi pour devoir mon devoir ba en vérité même les vérités a blessé ou mon n'a décidé quitter et pas les bon Dieu te choisi pour quitter l'aller bon Dieu bon mon pour là parce que nous chaque cap vivre chaque garçon bon côté perdu chaque fille bon origine et pas pa mon ça origine et pas les tes côté. Je souhaite vous comprendre, mais loin en bas live là, vous comprendre. Parce que je parle pour passer au niveau beaucoup marié, beaucoup gain, beaucoup en bas exemple. Parce que moi-même je voulais sauver la vie en plus le monde, je voulais sauver la vie en plus le monde. Je ne veux pas faire fiançailles là, mon Dieu prend le bougeot, affaire remis, en bas remis encore. C'est un des mon est marié pour intérêt à l'étranger, même croisé par la net. Mon envie aujourd'hui de me marier, pas de compte mon envie en petit Haïti. Il prend le marié avec, et puis tout, il croise l'église. Je suis chrétien, moi-même pas le chrétien. Moi-même pas le chrétien. Ma gagne, je ne suis pas le frère, non? Même strict, je ne suis pas le frère. Il y a des ordres. Des ordres de la chair. Et pas mon Dieu qui a réglé. A fait pour qu'on soit sur Internet ou vini, demain si Dieu vient, puis pasteur. Et puis, gosse, pasteur, il y a marié mon frère, monsieur. Mon ça, sans principe, il n'y a pas là de responsabilité. Bon Dieu, pas bon Dieu, pas qu'on moun ça, ou fait ça. Dieu, pour faire ça, bon Dieu, pas qu'on nous. Bon Dieu, pas qu'on est comme étant autorité. Autorité, pas agir comme ça. Lorsque l'autorité, c'est pour agir avec intelligence. C'est pour agir dans la droiture. Moi, j'ai mes principes. Moi, j'ai mes principes. Même que le principe d'homme, parfois le principe d'homme permet de nous faire gaffe. Le principe d'homme permet de nous gâcher en pile. Parce que l'homme et l'homme a un principe. Le principe d'homme l'a en pile. Les 40 laves ou fini. Le principe d'homme l'a détruit. Parce que Léon, mon copain, on l'église, il doit souci moi pour marier. Son principe qui dit en pile.
son principe qui bail problème parfois ou même ou 6 mois après pour faire l'homme la plaisir ou marié là ça il y a quelque bagage qui vaut ou pas même mettre bon Dieu là dans pour dire pour faire ouais c'est bon serviteur c'est bon servante ou il m'a fait plaisir c'est l'homme fait plaisir pas bon Dieu fait plaisir frère parce que mariage là pas jouette mariage là pas jouette et pour finir tant de fiançage là l'important et la Bible est claire sur ça. Ça fait m'a dit la Bible qu'on est tant de fiançailles là. Tant de fiançailles là, c'est lui-même qui priorité numéro 1 et la Bible qu'on est. Ça fait moi m'a dit ça. Parce que dans le cas de Marie avec Joseph, comme fini m'abdou ça li impossible pour li bon pour avant de mon entrer dans le lieu du mariage pour faire un bon temps fiancé dans le cas de Marie avec Joseph si bon Dieu pas tout bon Dieu d'ordre si bon Dieu pas connaît le temps de fiançailles son temps qui prioritaire dans la vie des couples son temps qui important dans la vie des monde qui veulent entrer dans le lieu du mariage dans le cas de Marie avec Joseph après que Marie était venue enceinte par la puissance du Très-Haut la puissance du Saint-Esprit en vérité, si bon Dieu pas tout bon Dieu d'ordre, il pas tape jambe déléguer un ange pour aller dire Joseph, ou pas besoin de prendre Marie comme madame, ou pas besoin de prendre Marie comme épouse, si bon Dieu pas un bon Dieu d'ordre. Parce que, dans le moment ça, le pays a un principe pour les gens qui sont fiancés. Joseph connaît le parlant à Marie pour Marie enceinte, ou qu'on quitte le gâteau à la poser, ou qu'on quitte le gâteau à la carrière pour faire. Ou kon ki gen grand acte ta wale poser mais bon Dieu connaît tant de fiançailles là son temps important puisque Marie c'est pour bon Dieu lié Marie fait affaire avec bon Dieu et ben Marie respecte autorité Joseph et bon Dieu respecte autorité Joseph bon Dieu pas nier existence Joseph comme fiancé Marie li voyons aux anges vinn pas annoncer Joseph qu'il pas besoin paix prend Marie comme épouse c'est ça fait m'dou fiançailles là important. La Bible est claire sur ça. Ou doit fiancer, pas quitter moun influencer avec principe. Pas quitter moun courir dehors pour aller marier, pour aller gâcher. Nous allons mourir l'aide. Là, jeune petit garçon fin marié, ou jeune petit femme fin marié. Et puis, sous 2, 3, 4 mois, nèg la kito, bien femme la kito. C'est problème, oui. Ou plus prépare dit que vous sauvez, oui. Et ça fait prendre temps, prendre sang pour faire un choix. Pas quitter moun influencer ou sous choix. Pas quitter moun influencé ou sur avenir parce qu'il y a avenir précieux devant et précieux dans Dieu mon Dieu c'est pas que me doit respecter principe mais pas quitter principe d'homme yo fini avec et après midi oui après midi a moi dis pour finir que fiançailles là oui bon Dieu connaît. Et c'est un moment important là un monde qui voulait entrer dans les liens du mariage. Un monde qui voulait entrer dans les liens du mariage, moment fiançailles là, ce moment extrêmement important, ce moment qui précieux parce que bon Dieu connaît tant fiançailles. Fait fiançailles là faut respecter principes parce que de respecter principes pour après ici dans la vie ou après ici. Moi même on croit que il y a des monde qui va poser ma pile question là parce que moi pour me répondre question mais Bonne question. Bonne question. Mon qui est en bas là, ou mon qui t'a suivi, posez question. Affirmativement, fiançailles là. C'est un temps de réflexion. C'est un temps pour connaître, un temps de discernement. Et bon Dieu connaître fiançailles là. Bon Dieu connaître fiançailles là. Bon Dieu, il admet que nous sommes fiancés, nous préparer. Pour entrer dans les liens du mariage. Et ma question, côté question, yo, mon guide a su poser question, s'il vous plaît. Ah, je vais aller. Vous êtes capable de poser question et on a parlé de fiançailles, un sujet qui est très important. Okay? Est-ce que nous sommes capables de considérer fiançailles là comme pilier, base, fondement, mariage? Parce que nous avons aujourd'hui à faire mariage là, à faire fiançailles là, il va exister encore. Pour les gens qui ont fait là,
Oui, mon Dieu, vraiment, là, ça cause, tu as fait mal, elle avait dit en pleine tout parce que mon Dieu pas entré dans mal avec consentement. Oui, on y croit, mon Dieu marié. Et regarde, deux, trois mois de gringolé. Deux, trois mois dans des, une à gauche, une à droite. C'est-à-dire, pas de base, pas de fondement, pas de rock qui te prépare pour ça. C'est-à-dire, l'important, étant que chrétien, c'est que mon gars vive comme serviteur, servante, mon Dieu, mais qui veut entrer dans le mariage. Tant fiancé là, c'est le moment plus précieux pour vous. Vie que vous n'avez jamais connu. Même si vous faites 10 ans, 5 ans avec vous, vous n'avez jamais connu. Mais l'important important pour vous fiancer et pour capable de connaître quelques problèmes qui gagnent entre nous, qui capable de confronter des problèmes. Femme tout ça, pour ma fiancé là, vous capable de rencontrer plus de problèmes dans la fiancé là que le mariage là. Parce que le moment fiancé là, c'est un moment qui est très fragile. C'est le moment après. Depuis que bon Dieu choisit pour vous, vous connaissez. Depuis que bon Dieu choisit pour vous, c'est facile pour vous connaître. Parce que vous après, immédiatement, bon Dieu, bon fils, madame, ça, ou bien, mademoiselle, ça, ou bien, bon monsieur, ça, vous avez commencé à confronter des problèmes. Non, ça fait ça, non? Je vais faire ça parce que le téléphone que j'avais utilisé, il est fini mon côté qu'on l'a tout, ça que je vais faire ça. Et mon fiancé là me dit, je vais pas voir parce que le téléphone n'a pas utilisé. Il m'a utilisé, il est fini yo connait nom, yo connait page là, yo connait chaîne là, yo connait aller ça. Allez ça reconnaît le et d'abord de chercher le retour d'abord elle bon exact fait pas faire ça pas de problème et oui c'est un sujet moi même t'ai choisi traiter parce que d'avoir un peu le monde qui vient là pour entendre parce que m'vle aider monde m'vle quelque bagage pour faut connaître qui est important dans la vie quotidienne est important pour réussir. Oui fiancé là c'est moment plus important parce que bon Dieu connaît. Un bon exemple, dans le cas de Marie avec Joseph, bon Dieu te connaît que Joseph s'est fiancé Marie. Et Marie fin tombé enceinte par la puissance du Très-Haut. Et sans doute, tu as un principe dans le pays pour ça. Parce que des bons fiancés, il y a un principe. Joseph était carré pour le faire coquin, pour le faire des ordres. Mais puisque bon Dieu respecte l'autorité de Joseph, tout, les voisins, il a bien annoncé Joseph qu'il va bien prendre Marie comme épouse. Elle a dit bon Dieu qu'on est fiancé. Pas quitter mon faire nous faire gaffe mes amis. Si nous besoin vivre heureux c'est nous mêmes qui pour gérer tête nous et puis tout faire choix nous et puis vivre heureux. Depuis nous gagne tête nous placer sous épaule nous avec puissance bon Dieu avec l'amour bon Dieu n'a vivre heureux. Nous croit ça. Parce que nous appelé pour vivre heureux. Parce que nous sommes une bénie, nous sommes nation sainte, nous sommes race élue. Depuis c'est chrétien, vous c'est chrétienne, vous sommes une bénie et vous sommes une intelligent. Vous sommes une qui gagne là de réflexion, ou son monde qui gagne là de pensée, ou son monde qui modéré, ou son monde qui sobre, ou son monde qui sage, ou humble. Et m'passe, m'a mettre fin et avec programme. Merci, Michken. Et parce que mon programme sur Facebook chaque 7h30 chaque samedi soir faut mal préparer programme là ou même qui là si ça pas déranger 7h30 vous capable assister avec nous programme ça son programme côté web joindre dans moi béni n'invite pas parce que j'ai trop tard Milou on va le camper fini Milou non. Je vais finir. C'est mon autre programme que je vais préparer, 7h30. Je vais faire. Ça fait que je vais finir. Je souhaite bon Dieu béni, je souhaite bon Dieu fort grâce à ce côté-là. J'ai monté, c'est vous-même qui avez monté tout. Ok, je n'ai pas de problème avec ça. Que bon Dieu béni. Je vais couper et madame, côté lui, je vais venir couper pour moi, s'il vous plaît. Si nous allons mettre fin à un programme. Merci à chaque monde qui a participé avec nous. Merci.
Nous souhaitons bon Dieu bénir, nous souhaitons, ou même si ça va bien jouer, si vous participez avec nous dans le programme, c'est à 7h30 sur Facebook. C'est même nous, Familia Kensonatis, un programme qui a été spirituellement pour jouer des choses pour nous. Alléluia. Moi-même aussi, Miloa, c'était un plaisir. Merci, bon Dieu bénir. L'esprit n'a pas rencontré avant pour l'autre sujet encore. Parce que je m'a suspendu vers ça. Sur Facebook, sur YouTube, je m'a suspendu vers ça. Parce que pour sauver la vie, moun. Parce que les vérités pour sauver moun. Et vérité pour sauver le monde. Et vérité qui a sauvé nous. Et vérité qui a sauvé nous. Arrêtez à risquer. Déjà terminé. Et vérité qui a sauvé le monde. En tout cas, bien. Bienvenue. Fini. Je demande à madame mon côté, elle est capable de couper. Au moins, s'il vous plaît. Vérité, c'est l'un qui peut sauver le monde. Et il faut une vérité. Il y a des gens qui peuvent trouver la vérité parce qu'il y a un intérêt dans le mensonge. Il y a un intérêt dans le mensonge. Moi, l'intérêt, c'est dans la vérité. Parce que c'est la vérité qui a sauvé nous. Bon Dieu, c'est un Dieu véritable. Ok, bon Dieu béni, Wesley, ok, bon Dieu béni. Après nous couper pour m'aller. Madame, moi, parce que vous m'écoutez, madame, moi, là, ok, m'a coupé. Bye bye tout le monde, et nous souhaitons nous passer une bonne soirée. Si ça va bien, je suis 7h30, écoute Familia Kensonatis sur Facebook, quoi, je viens de moi live. Si bébé a des problèmes, continuez à avoir des problèmes encore à soi. Parce que parfois, il y a des problèmes. On a mis fin. Je bénis chaque monde qui a participé. Bye bye, Miloa. Bye bye, Wesley. Bye bye, chaque monde. Que Dieu bénisse nous. On a croisé encore pour un autre rendez-vous. Avec un autre bel sujet. Si bon Dieu, prêtez-nous la vie. Bye bye.